dans le groupe Hongjin SARL, un imposant immeuble de 4 étages encore en construction. Un véritable labyrinthe à quelques mètres du boulevard Lumumba. Derrière ces rideaux métalliques, c'est la caverne d'Ali Baba où tout y est. Les activités économiques sont menées sans la moindre présence de services étatiques. La société produit et commercialise des bouteilles d'eau minérale et de jus, produits dont la taxation relève du droit d'accise. Cependant, la DGDR ne reconnaît nullement l'existence de cette société faute des autorisations d'ouverture. Des machines géantes de la dernière technologie produisent 24/24 des bouteilles d'eau marque Béni et CJ, très sollicitées et prisées par les enfants. Des produits sortis fraîchement d'usine sont directement congelés ici au premier étage de l'immeuble où des températures moyennes vont jusqu'à moins 15 degrés. Au deuxième étage, ce sont ces machines qui auraient peut-être bénéficié des exonérations avant leur entrée sur le sol congolais. C'est ici aussi que sont fabriquées des bouteilles et des emballages en plastique. Et pourtant, leur importation, fabrication et commercialisation sont interdites sur le sol congolais par les décrets du Premier ministre du 30 décembre 2017. Au troisième étage, c'est une autre activité, la fabrication, les conditionnements et la vente des produits pharmaceutiques. Des sérums glucosés, voire des antibiotiques, sont fabriqués ici. Des cartons de produits parfois périmés depuis 2010, pour lesquels les malais des Chinois changent seulement l'emballage, sont déposés à même les sols, dans un local pollué, prêt à être embarqué, dans ces camions pour leur distribution, dans les hôpitaux chinois, voire même dans les pharmacies privées de la capitale et de l'arrière-pays. Au quatrième étage, c'est un véritable Capharnaüm où des objets de tout genre, parfois insensés, sont stockés. Des produits qui portent des étiquettes de diversion. Dans les bâtiments de derrière, réservés à la résidence chinoise, c'est les dépôts de matières premières pour le mélange de jus, de l'eau minérale et pour la fabrication des produits pharmaceutiques. Des matières premières périmées non conformes et non contrôlées par l'OCC ou par les services du ministère de la Santé. Un endroit insalubre produisant une odeur nauséabonde, difficile à respirer même pour quelques secondes seulement. Les maîtres du lieu, ce sont ces Chinois,